Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, j'ai la forme, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo découverte de Skull and Bones, le jeu d'Ubisoft, le jeu de pirates d'Ubisoft qui a été moult fois reporté et qui est enfin là, en tout cas la bêta fermée. On a 6 heures de jeu, je sais pas si je ferai les 6 heures parce que au moment où on est en live et au moment où je tourne, je suis pas là du week-end, donc ça va être short pour moi. C'est pour ça que je l'ai lancé ce soir, parce que le timing est très très serré dans mon planning. Si vous verriez mon planning, c'est un délire. Donc, en tout cas jusqu'à lundi, ce qui fait que je ne pouvais pas jouer un autre moment à la bêta. Enfin bref, c'est un détail. On va pouvoir, sans perdre de temps, aller dans le jeu. When corporations as mighty as nations rule the seas and dominate the world's valuable trade routes. With an iron fist, they forge a path of tyranny and exploitation, igniting a battle for global supremacy. From the Indian Ocean, a flood of exotic goods feed new addictions and fill coffers with coins tainted in blood. And where there is blood, there are predators. Dans l'océan Indien. Allez. Voyons voir un peu ce que ça donne, ce petit jeu. Alors, donc ça c'est pour naviguer. Ok. Bon, je suppose qu'on va avoir toute une phase de tuto pour commencer. Alors, j'ai pas touché aux options, graphismes, tout ça. Donc, c'est vraiment brut de pomme. C'est vraiment une découverte. Alors, elle... Ok, ça c'est pour déployer... les petits... j'ai perdu le nom. Les... Merde. Étoiles. Dans les... je sais pas où est-ce qu'il faut qu'on aille, hein, par contre, hein, les amis. Ah, faut faire un demi-tour. Ouais, vas-y, on les éclate là. Qui me tire dessus? On les touche pas en fait. Ah si, c'est bon. Quel enfer. Ah mais on peut spam en fait. Ah
Ah. Je pense qu'il est censé détruire lui là. Putain, on touche hein, on touche hein. Bah lui aussi il nous touche hein. Je sais pas si on a une barre de vie ou... Eh, il est en feu là, peut-être explosé lui hein. T'es plus censé avancer toi hein. Vas-y, demi-tour. Et un de plus là. Oh, c'est quoi ça? I'm dead. Ah ouais hein, I'm dead hein. Quel enfer. Some of the matchmaking. Allez, on a compris vite fait. Le petit crabe tout mignon. Voilà, conduit. On fout. Allez, vas-y. Club bêta. Et on doit recréer un. Jamais on doit refaire le jeu plus tard. Luck? The British and the folk be them. I blame Captain Russell for steering us into these cursed shallows. We survived the battle, and now you arrive to help crew the Dow. I would say our fortune is on the rise, no? Tout ça. There's a certain yearning in your eyes. I've seen the same glint in others before. I'm sure you will steer us through to St. Anne. To reach Pirate Paradise, we must first know the way. Yeah. A logbook we retrieved from the wreck. More than ink and parchment, our fates are revealed in layers and often from plain sight. Perhaps this will help you chart your path forward, friend. Make yourself useful. Take the tiller before the damn British return. I'll work the sails. The wind favors the fearless. Let us chase it. Among the scattered survivors, one must surely know the way to St. Anne. Freeman's luck, guide us.
Ok. Il est moins bien le bateau quand même, on va pas se mentir. Alors. Oh, là, rien du tout. Alors, Doc Hazel. Aïe. Oh mais y'a un requin. Oh nice. Le score overall là, mais c'est le mode photo. Moi je quitte ce. Comment est-ce que je rechange de vue là? Allons par là. Ah mais je suis censé aller par là en fait. Ah oui. Oh mais quel enfer ce putain de requin là. Je vous le dis moi. Alors, donc là, on arrive donc sur la partie à pattes, quoi. Je ne peux pas changer la... Or, une vue plus...
plus mieux que ça. Ah merde, ça, on retourne là. I need someone who can walk steadier than these drug sluggards. Yo, mec. I told you. Captain Rassler, the ship was as overbet. We may have lost the British in the fog. See now, the Exeter's guts spilled across these shallows. And I'm surrounded by drunken sluggards who believe they are doomed to this hellish rock. And where were you, Captain, while the Exeter was hounded by British frigates? No doubt cowering in your cot. And what good are your foolhardy ways if they have left us stranded upon these shallows? You wish to reach St. Anne? Of course you do. But if we return to the King, retrieve what remains. Parle, je passe parce que je parle pas anglais de toute façon. Vas-y, deal. Good. Ça lag un peu quand même. Je sais, je suis pas sûr, mais j'ai bien l'impression que ça lag un peu. Là, faut que je recherche du coup les explosifs au plantrum. Ok. Je vais faire de l'avant-goût de Sea of Thieves. On est d'accord que les tonneaux rouges, non, c'est pas ça qu'il faut prendre. Quel enfer ce requin. Pour l'instant je peux rien y faire je pense. Hein. Alors, est-ce que je peux récupérer des trucs là? Yo, mec. So much blood. Tell me you're not part of Wrestler's group. We were five in the Wrestler's crew. It is too late for me. T'en fous. Merde, je sais pas ce que j'ai fait du coup. Ok, petit truc à lire.
Bon, ça me dit pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Concrètement, dans la concrétité. Oh, la vue FPS. Ça fait bader. Ah mais c'est lui qui me... c'est Zulu là qui me tire dessus. Oh là là, quel enfer. Là, je sais pas du tout où aller. That is the problem. Ah, il faut que je lui donne. Putain, mais. Eh, apprends à lire, hein. Oh putain, faut que je tombe sur l'île. Oh, je savais dès le début en fait. Je suis débile, hein. Vraiment, les amis. Je suis débile. Bon, retourne sur l'île. J'ai pas lu. Ça m'apprendra. Du métal. C'est-à-dire qu'il y a le requin, ça. Ah. Et j'ai... Ah, c'est ma barre de vie, elle est là. Aïe. Bon, alors on rend la quête du coup. Ah, je suis vraiment désolé, j'aime pas du tout. Je répondrai à pas lire en vrai. J'ai pas lu. Alors. You wish the way to Saint Anne? Get me Skellock's cargo. Thanks for the goods. Skellock may well spare my head, but I cannot say the same for you. After I tell him about the captain who failed to protect his cargo. Find your own. Why don't you ask Captain Rast now? Fuck! Bon, on aura fait un petit tour comme ça. Ok.
Bah let's go. Allons au prochain point. Force open. Ok, on se dans le vert. Ok. Oh, c'est plutôt intuitif. Ok, Captain. Contrôle le Captain et Wrestler. Le truc il a un bas dans le cul, je trouve vachement rigide le perso. Enfin, la caméra. Peut-être moi, je sais pas. Le loot. Ah, t'as eu un truc. Ah, le raid. Il est où le truc un peu derrière. Ah. C'est pas en français. Je comprends pas. Hunter. Ok, on a eu des cartes. C'est tout? On peut pas y retourner là? Hein. Ok. Un peu dommage. Alors c'est de là qu'on a tiré dessus tout à l'heure. J'espère qu'on peut se servir de ça. Coup de canon, vas-y. Ah, je peux pas tirer. Ah, faut tirer sur ça. Ah, pour moi, j'ai pas cette quête là encore. Je pense. Ça arrive pas. Ah, faut tirer bien plus haut en fait. Hein. Un peu plus bas. Un peu plus bas. Ça passe. Non, même pas. Ah, je l'ai eu. Yes. Vas-y. Je vais faire quoi? Ok. Ah, ça me... j'ai envie de sauter là du coup. Terrible. Et on peut pas cacher le chat aussi là, c'est cool. Interface. Next off. Voilà. Freeman?
heaven's luck indeed. You found a way to Saint Anne and a letter bearing Skerlock's mark. The Kingpin will surely want to know what happened to his cargo. Or Jones Carroll will have 3 shots from a flintlock reserved for our heads. Or just yours, friend. What's a pirate's life without a little peril and mischief, eh? With the cargo from the Exeter lost, Skerlock will need a daring rogue like yourself to procure new goods for his pirate empire. And so far, your fortune has steered us true. I'm glad we pulled your corpse from the sea, friend. Rassler is dead, and with him, all prior obligations or duties. You are free to make your own luck now, Captain. Captain, is it? As long as you don't tear us into the blasted rocks. Allez. Bah, let's go. Là, on prend la mer. On s'en va. Ubisoft present. Ah, smell that salt, spice, and sin, Captain. The Indian Ocean holds many secrets and mysteries. The smuggling den of St. Anne is one of its hidden gems. Whatever a pirate needs, this place has it in stock. St. Anne is where we turn our luck into fortune, friend. Skerlock can get us started. That letter is proof you're a pirate worth a lick of salt. Hey, don't look at me. You're the best pirate to win Skerlock over. Me? I had my shot in the past. We don't need Skerlock's loyalty to gain infamy and influence. Only his connections. A proper ship would be a start. Unless you want to keep cozying up on your dhow. I'll stay by the ship while you tread shore. Pay no mind to the bottom feeders, Captain. Remember, we answer only to the winds of fate. Oh, la gueule. This one isn't gonna make it. The little twist.
twig will snap within days. Days? That carcass is just about falling apart. And reeks of whale piss. Nice. Et bien YouTube, on va s'arrêter là après le début de cette aventure sur Skullabones, le petit tuto et on va dire l'intro de l'aventure. Merci d'avoir suivi cette première partie de la découverte. Je sais pas si on aura une deuxième partie, mais parce que moi, il va falloir que j'y aille, j'ai un message. Enfin, c'est pas très grave. Ce sera de tourner quand même une deuxième partie pour vous YouTube qui est au moins deux parties. On se retrouve très vite pour la suite des aventures. Bye tout le monde.